Monsieur Amadou Ndagamaïssa, de la commission marketing de la Biennale du cinquantenaire, ici à Sikasso. On peut applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va applaudir Monsieur Ndagamaïssa. Monsieur Ndagamaïssa, bonsoir, à vous le micro. Sikasso Anouchou. Assalamu alaikum. A'ouzou billahi mine shaitan al-rajim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasim. Ambe barakat alaye. Kene dougou kaw. Ni bite selye donc en santé. Donc aube tegere bafo Mali ministre ou Mali gouvernement nanga débité ou nanga parrain national. Merci. Monsieur le ministre, messieurs les députés, les gouverneurs, les invités, les sponsors de la Biennale 2010, les directeurs régionaux et la commission d'organisation, le ministère de la Culture. Ce soir, Sikasso tout bougeant, Sikasso qui vit les rythmes de la culture malienne, est là, à quelques heures de l'ouverture de la Biennale 2010. Ce soir, pourquoi Kenedougou a fait une innovation? La commission d'organisation dirigée par l'administrateur civil de classe exceptionnelle Mamadou Issa Tapo, au grand complet, a choisi un fils du pays. Un fils du pays. Un homme qui depuis 5-6 ans qu'il a commencé à venir dans son pays natal, a prouvé qu'il est un homme de partage, un homme qui aime le travail, un homme qui aime le courage, un homme qui est dévoué pour la cause des plus faibles, un homme qui soutient la jeunesse, un homme qui aime le Mali tout court, un patriote, un Africain, quelqu'un qui n'est plus à présenter dans la sous-région, singulièrement au Mali. La commission d'organisation l'a choisi pour être le parrain de la Biennale 2010. Je nommais notre frère Malamine Kone, que je vous demande d'applaudir très fort. Malamine Kone, c'est pas de sa marque qu'il est fier. Il est fier de ses origines. Il est fier de son Niena natal, de la région de Sikasso, du Mali tout court. Malamine Kone a accepté le parrainage avec fierté et élégance. Malamine, oui, en 2004, c'est le même porte-parole, c'est le même Ndagamaïssa qui vous est accueilli à Niena avec le ministre Cheikh Oumar Sissoko ici présent. Et depuis, chaque jour, de jour en jour, vous êtes là pour convaincre les Maliens en prouvant que réellement, vous êtes un vrai natif du Ganadougou. Vous êtes un vrai fils du pays. Vous reflétez en France la fierté de la région de Sikasso. Ça veut dire quoi? Laissez-nous faux. Les Mianka, les Bambara, c'est des hommes intègres, c'est des hommes dignes, c'est des hommes qui réussissent au sieur du front. C'est ça Malamine Kone. Malamine Kone, ce que vous dites au quotidien, que c'est avec le travail, avec l'abnégation, on peut tout réussir. Vous êtes arrivé à Paris à l'âge de 10 ans. Vous ne savez ni lire, ni écrire, et vous vous retrouvez dans la neige glaciale. Que faire? Mais vous vous êtes dit, vous êtes du Ganadougou. Vous êtes de cette région. Quand tu vas à l'école, quand les enfants s'exercent une fois, tu le fais trois fois. Ça t'a permis d'avoir ton diplôme. Ça t'a permis d'être le meilleur boxeur que la France a connu. Ça t'a permis d'être le grand PDG. Le seul Malien, pour ne pas dire l'Africain, qui siège au patronat français, c'est Malamine Kone. Malamine Kone, c'est l'homme qui partage avec les Maliens, avec les Sénégalais, avec les Ivoiriens, avec les Nigériens. Mais Malamine, le gouverneur de la région m'a chargé de vous dire
qu'il est content du fait que vous avez répondu à l'appel de la région. Vous avez répondu à l'appel du Mali. À son nom, au nom du ministre de la Culture, au nom du président de la République, Malamine, merci pour ce grand accompagnement. Malamine, ce soir, le Kénédougou des Traoré, des Sanogo, des Berté, des Diamoudéné, des Ouattara est vivant et bougeant. Dans la ville de Sikasso, les hôtels, il n'y a plus de place. Les villas sont louées. Partout, chacun d'entre nous, les vendeurs de pommes de terre, d'igname et j'en passe sont en train de bien gagner leur vie. Les régions du Mali présentes sont à l'aise. Ils ont été bien accueillis par la région de Sikasso. Mais Malamine, ce que je vous dis, en tant que forgeron de père et de mère, griot, gardien de vertu, Malamine, tu es une fierté pour la région. Tu es une référence pour cette jeunesse ici présente. Tu as prouvé à cette jeunesse qu'avec le travail, on va tout gagner. Et la jeunesse de Sikasso, du Mali, est là aujourd'hui au stade Babemba Traoré pour vous dire, Malamine, merci. Merci pour ces artistes de cran, pour Vivendour, pour Aïcha Kone, pour Oumou Sangaré, Ablaï Diabaté, Neba Solo, Nahawa, Dabara, Amadou et Mariam et j'en passe. Et Malamine, la jeunesse de Sikasso va fêter. La jeunesse de Sikasso vous dit merci. Mais Malamine, considérez que tous les membres du gouvernement ici présents vous disent merci. Mais cette fête, c'est pour la jeunesse. C'est pour qu'on se prépare pour être prêt demain à accueillir ce grand patriote, ce digne du pays, j'ai nommé le président Amadou Toumani Touré, qui va arriver ici demain à Sikasso à 8h, que de l'aéroport de Gwangoso à l'hôtel du Cinquantenaire, en passant par le mont Samori Kourouni, les monuments, le lycée Monseigneur, que tout le monde soit là pour accueillir Amadou Toumani Touré, qui a donné les routes au Mali, les CESCOM, les hôpitaux, les barrages. Le Mali est en train de bouger. Le Mali, à l'heure du cinquantenaire, est en train de gagner avec Amadou Toumani Touré. Et cette jeunesse, cette fête aujourd'hui, donnée par ce digne fils du Mali, cet homme exemplaire, cet homme digne Malamine Kone, il l'a donné pour dire à la jeunesse, rejoins-nous au gouverneur de la région de Sikasso pour accueillir ATT ici demain, dans un stade plein à craquer. On accueille le président Amadou Toumani Touré et la biennale du cinquantenaire va être une vraie réussite. Malamine, merci pour cet accompagnement. Et demain, la jeunesse, il faut que nous soyons au stade au plus tard à 14h. Tous ces grands artistes vont s'asseoir ici pour voir le Mali culturel, le Mali réel, le Mali dans sa réalité. Les 8 régions du Mali, le district, la diaspora, ils vont être là sous la direction du grand maître Kadige Lago Traoré. Je vous souhaite une très bonne nuit, que la fête soit très belle. Nos sponsors, nos parrains, tous ceux qui sont là, nous vous souhaitons une très bonne nuit. Ils ont fait un grand déplacement, je ne peux pas les citer pour ne pas oublier d'autres et faire des frustrés. Bonne fête à tout le monde, bonne fête pour la Biennale 2010 et la fête va être très belle. Dans la cité verte du Kénédougou, des familles de Traoré, de Babemba, de Diamouténé, de Berté, de Momo, de Sanogo, de Ouattara. Bonne fête à tout le monde et à tout à l'heure avec les vedettes. Merci. Merci monsieur. En sa qualité de parrain de la Biennale 2010, il a souhaité offrir ce soir à la jeunesse malienne une soirée inoubliable avec un plateau artistique exceptionnel. Tenez-vous bien, il y aura Oumou Sangaré, qu'on peut applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Abdoulaye Diabaté, Neba Solo, Nawa Doumbia, Aïra Arbi qui vient tout droit de Tombouctou, Aïcha Kone qui est arrivée de la Côte d'Ivoire spécialement pour cette soirée et beaucoup d'autres surprises. Ils sont là, ils sont tous là pour vous. Ils vont mettre le feu sur ce plateau. La nuit du parrain, c'est tout d'abord la fête de la jeunesse malienne. Mais ce soir,
notre parrain, a aussi souhaité mettre à l'honneur le travail, le courage et l'engagement des femmes de la région de Sikasso. Ainsi, cette association représentant chacune des sectes de Sikasso recevons ce soir un prix de l'excellence Malamine Kone. Anga dimfaya yira kafoko biyale ka shuwe bi demsanu ka shuwe o kama anga dugu seko na donko mogo ana kerefe dugu yo fa Côte d'Ivoire ayulu artiste wele kana o kana ambela jele ka jaka fete ka ngofe ka daka binan tankelin tay on kelin tate u fene tado farafin farafina bela jele ne tado ay yira fene kafo ko fete keli gansan tanye Sikasso cercle konna la muso jekulu munu benno o jekulu wolon vla ayo muso wele kana plateau kayanno abina le prix spécial douma amagnino fo kota gara fo muso fene. Alors nous allons saluer la présence de tous les membres du gouvernement, notamment le ministre de la Culture, M. Mohamed El Mokhtar, le gouverneur de la région de Sikasso, M. Mamadou Issa Tapo, le président de l'Assemblée, M. Yaya Bamba. Alors, mesdames et messieurs, on va recevoir le premier groupe musical. J'allais dire le premier chanteur qui va venir tout à l'heure. C'est une icône bien connue ici à Sikasso, au Mali, mais à travers le monde. Quand on parle de lui, on parle à une ville qui produit du coton. Et vous savez, le coton est très très important dans l'économie du Mali. Mesdames et messieurs, avec beaucoup d'ovation... Amadou, excuse-moi, ne dis pas encore son nom. J'ai envie de poser une question. Joy et Miss ORTM animé. Artiste du Mayo animé. Awa Kribala Khon. Awa Kribala. Amadou, vas-y. J'aimerais que tout ce stade, que tout le public s'élève pour accueillir Abdoulaye Diabaté parce qu'il le mérite. Abdoulaye Diabaté et son orchestre vont évoluer tout à l'heure à Aïché pour un spectacle son et lumière. Alors, apparemment, Abdoulaye Diabaté n'est pas prêt, Amadou. Oui. Abdoulaye était annoncé. Je vous informe que nous sommes donc en direct du stade Babemba Traoré de Sikasso pour la nuit du parrain qui donne le coup d'envoi à la Biennale artistique et culturelle 2010. Et il y a une belle brochette d'artistes, en tout cas. Aïcha, vous étiez allé aux nouvelles. Alors, ok, Abla va venir avec son orchestre, mais également tous les autres artistes, ils sont tous là. Et aujourd'hui, Sikasso, tout le Mali, on a l'impression que tout le Mali se retrouve à Sikasso. Cette biennale, c'est la biennale du cinquantenaire. C'est la Biennale 2010, la jeunesse du Mali, de Kaya Kidal, et même au-delà, puisque le Mali de la diaspora est également là pour cette biennale. En tout cas, en ce qui concerne l'ORTM, nous remercions beaucoup la Sotellement, grâce à laquelle vous pourrez nous suivre en direct depuis chez vous, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie. Où que vous soyez, dans les hameaux, dans les villages, ou bien sûr, si vous êtes dans la ville, dans vos salons. Alors, Amadou, en attendant que l'orchestre de Abdoulaye Diabaté s'installe, je pense que nous allons appeler Beka pour le moment, parce qu'il faisait partie de la caravane du parrain. Okay. Et puis, il va l'introduire. On va laisser le temps à l'orchestre de s'installer et nous allons repartir en musique très bientôt. Mais en attendant, nous allons recevoir notre collaborateur, notre confrère Beka. Bouré Makane, plus précisément. Beka, justement, qui a suivi la caravane de la première partie, Yanfolila, Bougouni, Kolondieba, Niena et Sikasso. Bonsoir, Beka. Kojo Anissou. Tiens, Mousso, ma coro farade, monsieur, Kanga Folibe Bela Gilenye, Mali de Mounoumbe, Mali Kono, Ani Mali de Mounoumbe, Jamana Werefe, Foliba Bela Gilenye, Anissou. Hakila.
korofo mina sani nangoro kefe no ye daga maisha ye mba yina fe cheni muso au munu bekene kaya aka tekerefo katekerefo malamini ngwene ye bama na mba fo niti mani vido iba wele ko hei malamini ngwene malikono malikoka jien sereke nani belajele kono tekengoni shine duala tekengoni mashana gwanza ashina la kadaka kewaleka malamini ngwene mi nisigaso kakanki disi gosini aye sigaso yerete malamini ngwene mi ni malide belajele kakaki disi gosini aye mali yere fanate ambise ka fo farafina bekangi disi gosini malamini ye saba ambe domine ko bi abeka farafina kuna wolo faraje jamana uka ayi tekerefo malamini kabini mbonye intara kadaka jamana nyema ufe kenengena na siga sokau ako ni ngoi ndi blada gurindala ni ngoni sikitibe aya kanu abulo be barawo barala asigira jamana ka yo belajele blaki tekefla ko la kabola kanaka jamana ka note Navolo na ya aja abise ka sheki sebe ka blaka na fasola aye denva jala takadia bulu mafara flene nebenga aferula akubada ninye fasokoi anisikitibe ninye dana yae anisikitibe nyere binsoko ni ngolo doni kana mvaso kaka dofemi mbe ya bare mbe chuko mina anga jega kenyo anve mala anajenyo ulila kana anve malila ya asera malila akomina nyeda faso ere kanu sigaso ye aya kanu sigaso cercle wolo vla fenwo feno bea ka yala kelengele bela kati nyeda demsonga ki nyeda makorobauka ki nyeda musouka ko fama kundo nganna na so anga jeka duga uke nywanye bonyami na taraka dine malamini mane kelenti sakoro neni sigaso mara demseni bededo neli mali demseni bededi doni ndanywave Ola mala ayeta madam ne bumoko a komini worola aduna komini wore inkelengele fenwo fena ay ordinateur di a yoro belajele la ka klaka ordinateur kelengele belajele connecté internetika amada uma akele ko kasiga so janjo damne noye munmunu zaloye amana ta siga so fanwo fanve ni siga so ka ubora ka kumbe ni dunu ni balanu ka mboroye malamini ya rabbi wuliki sebe koro yuguba ka irawla ka foka alebe sodo halibe ka manyine suko odela anato ayakanu kanani minani do uye kabino sama adoka uma kabino sama ade uma ukoke barake minanye kuke nyine jelanye o minauna minye senandola ofen kemefla anitanye anana noye bololandola noye basketiye anana no fen keme ani binani ye ko demse ngou nyene je obole koy machinana nabi wolo ko awa platform multifonctionnel anana no fen shekinye koko dimsouma u ka dobe kolobe kolobela minye seben nge kaye ye anana no fen ba biduruye koko di lokoy deumo ka klaka ordinateur shekinda u ka obole koy minye aywa bikiye au fin battant anana no fanaye takla kana ni survêtement fin keme wolon flanye takla kana ni kaye ardoise no bi ma dabali ba kalata fafe au fin bakele ani keme flaye koko di demsewma u ka se ku chesri ka kalake malamini wati mina anzera nyena aye tracteur kelendiye katla ka mashingana fladi o musuma ku ka barake ka bosenge kono malamin antiseka afoka se adala bajido ni yidabira la igarjige mi ino biwili mba yina fe siga sokaw aka je ka tegerefo ka waraba kumbe noye la panthère malamin kone malamin kone fle
Bonsoir Sikasso. Bonsoir Sikasso. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, merci. Merci à toute la jeunesse malienne d'être venue nombreux à cette belle soirée. Merci aux artistes qui ont tenu à être présents ce soir pour manifester leur soutien à la jeunesse malienne. Merci à la région de Sikasso. Merci à la commission d'organisation de la Biennale artistique et culturelle qui n'a ménagé aucun effort pour que cette soirée soit une réussite et pour que la Biennale soit également une réussite. Merci au gouverneur. Monsieur le gouverneur, la région de Sikasso et le Mali m'ont fait un grand honneur en me désignant parrain de cet bel événement initié il y a 50 ans par notre président de la République, Feu Modibo Keïta. Je suis extrêmement heureux ce soir pour deux raisons. La première, c'est parce que cette biennale se déroule à Sikasso. Merci au président de la République, son Excellence Amadou Toumani Touré, pour avoir choisi la région de Sikasso. Cette région, elle m'est chère, parce que je suis né ici, parce que j'ai grandi ici, parce que mes parents m'ont inculqué les valeurs du travail dans cette région. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation de mes parents et aussi grâce à cette région. C'est ici que j'ai choisi de m'adresser à la jeunesse malienne. Je voudrais lui rappeler le rêve de notre ancien président Modibo Keïta. En initiant les semaines de la jeunesse, il souhaitait réunir la jeunesse. Il voulait l'unité. Il rêvait d'un grand Mali. Il voulait que les jeunes se fassent confiance. 50 ans plus tard, nous avons des devoirs. Nous, les jeunes, nous devons nous responsabiliser. Parce que si cette soirée est une réussite, si la Biennale artistique et culturelle est une réussite, c'est parce que Monsieur le Gouverneur a su faire confiance à la jeunesse. Vous avez su travailler ensemble pour que cette soirée puisse être réussie. Quand le gouverneur m'a demandé d'être parrain, il m'a demandé en même temps d'essayer d'apporter une touche particulière de l'innovation. Je lui ai dit oui, à condition que toute la jeunesse se mette ensemble pour réaliser cette soirée. Il m'a dit oui. Il m'a dit, mais crois-tu que tu es capable de le réunir? Crois-tu que les jeunes sont capables de travailler ensemble? Ben, la réponse, tout le Mali est en train de le vivre en direct. La réponse est oui. Je remercie toute la jeunesse malienne et je voudrais qu'elle prenne conscience que ce pays est un grand pays qui a besoin
de l'intelligence et de la force de chacun pour rester debout. Je voudrais dire à cette jeunesse qu'elle est une force. Elle vient de démontrer qu'elle est capable de se donner la main. Comme c'est la région de Sikasso qui m'a nommé parrain, et que Sikasso, c'est 7 cercles, les jeunes m'ont demandé de visiter les 7 cercles. Ce que j'ai fait, j'ai commencé par Bougouni, ensuite Tianfolila, Kolondieba. Aujourd'hui, nous sommes à Sikasso. Demain, je serai à Kadiolo. Lundi, je serai à Kuchala, puis à Yoroso. Parce que les jeunes ont voulu tout simplement me montrer que dans les différentes régions, ils réalisent déjà des projets. Alors quand vous me dites bravo Malamine Koné parce que vous avez réussi, ce soir Malamine Koné vous dit bravo parce que vous réussissez aussi. Parce que qu'est-ce que c'est que la réussite? La réussite, c'est rêver d'un projet et c'est de se donner les moyens de le réaliser. J'ai visité des périmètres de maraîchers. 105 femmes à Yanfolila qui partageaient ce périmètre. Chacune avait sa parcelle. Incroyable. Elles ont gagné de l'argent avec ça. Alors quand elle me dit bravo, félicitations monsieur Koné, je leur dis non, s'il vous plaît, c'est vous que je dois remercier parce que je sais les conditions difficiles. Je suis conscient des difficultés que les femmes ont. Je suis conscient des difficultés, même si les choses s'améliorent. Mais il faut rester courageux. Il faut croire. Voilà, donc ça c'est un message que j'avais depuis longtemps sur le cœur. Et j'ai besoin que cette jeunesse reste debout, parce qu'elle est une force, elle ne doit pas être une faiblesse. Elle ne doit plus se faire ronger par la division. Ne soyons plus divisés. Faisons-nous confiance. Acceptons de travailler et d'avancer ensemble pour l'intérêt et le bien-être de notre pays, le Mali. Notre pays que nous aimons tant. Je ne suis pas venu faire un long discours. Alors je veux vraiment encore une fois vous remercier tous, les invités, le président de la République, Amadou Toumani Touré, qui ne s'est pas trompé dans son choix, monsieur le gouverneur, à qui j'ai eu l'occasion de dire que le président a bien fait de le rappeler. Parce que pour réussir une belle biennale comme ça, il fallait un homme fort. Et il l'a été à la hauteur. Nous sommes là, nous avons été là pour l'accompagner et nous l'accompagnerons jusqu'au bout. Je vous remercie. Vive le Mali et vive la jeunesse malienne. Merci. Ni kunye suyere a denva jalatiki ka korofoye noye Malamine Koné aka korofo aya damna ni folie folie ko fe akwa ni sojara bulungoni sinila aleka dugula noye shika somaraye ajara ye abenama obole ako aya kanu bisuina ka kuma nyanya teme ani demsaw ni nyanche sigaso ani malifa be muna sabu jamana insini ye demsaw de taye demsaw ka bi femi nyini ka bulo fladi nyama ka kote nyandala ka dafota ula ka barake mamunu no lube nyema ya la bi shini no lu ye tobla demsaw nga sika ata ka teme ni israeli abo nyini demsaw fe obole ko ye ako ayaka no Sikaso a cercle wolon flan katama kono katinya da chewni musouka golea mimbuka ale bado shuka ni nyeko donga ibora ka minto so iyo kono shidon odela ayaka nu demsion musou kayala akare jokoro katinya da uka ukanyon kumanyoya golea mimbe uka seka belejele shidon otmana Malamin akwabe folie du gouvernement jamana nyema yeni ndanya minta ka da gouverneur ka aye danaya minafa ani sikaso mara ma bela jele opana ka be foli ke kaduga uke ya rabbi kenen alaka do herala ka bo herala kira bonya kama soli ala rasuli aywa kramo ko jone kono be keneto abulosa elena ka to kafo. Merci Beka. Alors monsieur le gouverneur et monsieur le parrain, vous restez avec nous.
Nous profitons de votre présence sur le plateau pour remettre les prix d'excellence aux associations féminines les plus méritantes de la région de Sikasso. Alors, le premier prix sera décerné à la présidente de l'association des femmes, Douman Nani, du cercle de Sikasso. Applaudissements pour la présidente de l'association. Voilà, les sept sont Madame là. Maimouna Togola. Le deuxième prix est décerné au cercle de Koutiala. Et la présidente de l'association a pour nom Maimouna Ouattara. Troisième prix décerné au cercle de Bougouni. Et la récipiendaire pour nom Waraba Doumbia au nom de l'association des femmes Baniko Djigiseme de Bougouni. Quatrième prix décerné au cercle de Kadjolo. Et pour recevoir le prix, nous appelons Madame Tango Sanogo, présidente de l'association des femmes veuves de Kadjolo. Nous arrivons au cinquième prix. Il est décerné au cercle de Yanfolila. Et pour cela, nous invitons Madame Awa Cécile Sidibé, présidente de l'association Monoba des femmes seule chargée de famille. Sixième prix, Kolondjeba, décerné à Madame Tenembamba, présidente de l'association Sigida Yiroaton des femmes de Kolondjeba. Elle n'est pas présente, son représentant est là. Merci. Et puis, septième et dernier prix. Le prix sera décerné à Madame Balo Tenedambélé, présidente de l'association des veuves et orphelins de Yoroso. Monsieur le parrain, monsieur le gouverneur, c'était là donc les prix d'excellence pour les associations féminines les plus méritantes des sept cercles de Sikasso. On peut les applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Oui, Amadou, le français a cela de particulier. Ce n'est pas pour rien que la générosité est un mot féminin. Ce n'est pas pour rien que la bonté est un mot féminin. Et ce n'est pas pour rien que être femme, c'est vraiment, je dirais, Amadou, être femme, c'est être généreuse, être belle intérieurement et savoir donner le peu qu'on a, que ce soit matériellement ou même intellectuellement. C'est ce que ces dames-là ont fait. Mesdames, applaudissez pour elles et applaudissez pour vous-même. On applaudit les femmes. Merci beaucoup. Merci mesdames. Vous pouvez disposer. Merci mesdames. Merci le parrain, merci le gouverneur. Merci pour cette belle fête. Alors Aïché, après la série des remises de prix, je pense que cette fois-ci nous allons définitivement arriver à la musique. Oui. Et retrouver Abdoulaye Diabaté. On lui laisse la place alors. Abdoulaye Diabaté, sous vos ovations. Il est accompagné de son fils et de son frère. Le fils c'est Iba. Le frère c'est Modibo. Tous Diabaté. Tout le monde chante. Et Abdoulaye aujourd'hui est le patriarche. Alors Abdoulaye Diabaté et son orchestre. Baba inchi imae jabate mori boye ibajelichi oyenechi
Jabati Abdoulaye Nci ko ci sera jalima o sera iba jalima ko wele sera ma kabosi gasu marala dini chini donita kana fasoni kumabo mbaudeli nefalu mbaudeli ayena kumabo barola kumaudeli nebideli jabati jeli sango ingi kana kunabo barola namunamu babanamu namu kene dugu jamayo aumid naum bisimila kene dugu kakoni tlebi bisimila kene dugu kababani bani bisimila kene dugu yande kene dugu ye babembat le bana chebat le bana bamuso sanu tle bana masake minu tlebe ya bielen lana unfe kene dugu nde niye jama bisimila niye ne wele atetonga sango iwele kala jula sango ima minaka tuba kate mozon kate fatia kate dofela nigre kala sango yo ibisimila kene dugu Sangoye Jula Sangoye ya Maminake Ko padinga dugu kene dugu sinya dugu kene dugu faranyanga dugu kene dugu basa kelengwante denembe wala ibende bidunya dia au ma abenywanya sizineye Iba Jabate, Mudibo Jabate, Ablai Jabate, Aunanaka Nanga Barinya, si. Ambazara ala de la
Zara kumanina ne bezara papala jamana papa sizela kon bezara jamana tila atete ni gazara jamabela kine dugu ala te nyebe ala te jama mara ba tebe ala te nyebe ala te jeli mandi adi mogo be ma ni ala yo di mogo be ma mala mi ida ala ta no jo me Massa. Niko kone, iba fo jara. Niko jara, iba fo mali. Niko mali, iba fo konde. Ni tara Senegal jamana ka iba fo kunje. Nime jara isangranga. Jofara wa kile maguya ibe mala. Sekora jano maguya ibe mala. Aya kwaso kolo konde mwande, kone ko kwani su. Kubonya barika. Kafo doka msa mwade kwa nisu kubonya barika. Kafo mwada sakonde mwade kune kwa nisu kwa kubonya barika de. Malamini. Alate nigebe.
ka kene dugu jama bo ka jaya malamini ala to ke beye ka bade ngat lani mo jaya malamini ala to ke beye kana jama na kono kadla malamini ibeto ke kido jama na kono kadla malamini wala ibeto ke kanga falo kana abiye ku pari malamini awo beto ke Ikeri yere dona ikera fa dona ikera ba dona iyi faso no jenga de sabaye kamba ye teme vala teme vala fanya mbodi dogoyara ala ikete teme vala ye kone sangranga fori kalau aya kwa malami ni yoko juru kilemba la koko kabi aya ada amasara apo kada wala kare namo iba namo namo lagare namo afideo mhm ku ka fon malamini ye ko juru do ba la kabi nye dara ko juru ba kana wa nye bi wuri na ma sara de abi ke kire du ka be nyana bi an be nyona fosini sangaranga he malamini kone sangaranga Kone te kelemina, kone muso te le kelemina, o kele fele bulo kwanza. Malamini ko jurubila, aha. Malamini ko jurubila. Hey, Iba. Nete jurino, ete jurino. Afo, able ika jurinwa. Mana Tiens, sugoro ka timi mana. Famori bo! Moko ko fana kalina kali ka timi mana 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 mana. Tiens. Oluk lalu ka wasu la wati mina, dusukun kabara. Oye mon beau. Tusukom baba. Namo. Akokale katimi mana 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 ne ibaka mana gana. Ukamanye juri ngoro doncho. Juri ngoro focho. Lagare afaka juri ngoro focho. Juri ngoro focho. Lagare afaka juri ngoro focho. Wanimu focho. Ubaba ibano po bicho. Katimi baba koko kwale katimi kudusuku wasura kafene katimi kusabu kanu kanu jinya kanu kanu obi wale dusuku nila baba ala utala dunyada namu ayada ala kira kanu 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 mana femi fane kodu fate kanu mana femi fane Fate Malamini kone sangaranga Traure la kauka joye Kene dugu traure la kauka joye Da kene dugu Namo Ayu lame Lef la falele me kene dugu ya Aha Abe kone Sangaranga, nyuana yehudo, nyuana daundo, unyuante abada, unyua mani, tamanye na maute, aha. Kone na ka ute manye na maye, tokolo la ka ufona te manye na maye. Nifika seneke la uwele, mali kono bifika fo bagari tokola, kwe kwenye, nga manye na mate, kene dugu kado, aha. Malamini kone, alefona be kene dugu ya. Juru mime malala ayavonye Shajuru debe malamini na Na manga shajuru sarabe Amba
ke katrauri la ka ufana sini shojuru de banga malama kunama ka shojuru sarabi amba ke katrauri la ka ufana he ada duga no kanala joro ada duga waline he ada duga no malaka na joro ada duga waline he uta duga malaka na joro ada duga waline he ana sele Neko jara nama juri zara tarore la ko shini mbadi auma La lube y a la suerte.
Merci beaucoup, Abdoulaye Diabaté, qu'on applaudit encore, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Toute la famille chante, le fils aîné, le petit frère. Et finalement, on va dire que Abdoulaye est devenu un patriarche. Alors, nous sommes en direct du stade Babemba Traoré de Sikasso pour ceux qui viennent de nous capter en vol sur les antennes de la télévision nationale du Mali. C'est la nuit du parrain. Une soirée gracieusement offerte à la jeunesse malienne par le parrain Malamine Koné. Amadou, nous repartons en musique avec une dame qui est originaire de Niéna. Son père était un grand du Balafon. On l'a surnommée la perle du Ganadougou. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, Mamou Sidibé. Mamou Sidibé, sous vos ovations, mesdames et messieurs, nous sommes dans la région. Et la région de Sikasso régorge de beaucoup d'artistes talentueux, Aïchi. Alors, en attendant que... Sinon, on va dire que ce n'est qu'un début, hein. C'est le show qui commence. Plein de musiciens sont là, ils sont tous là. J'ai aperçu derrière Amadou et Mariam. On les applaudit, s'il vous plaît. La grande diva de la musique du Wassoulou. Je l'ai vu quelque part. Est-ce que tu l'as vu? Bien sûr. C'est qui la grande diva de la musique du Wassoulou? Oumou Sangaré, merci d'être avec nous. On applaudit Oumou Sangaré, s'il vous plaît. Il y a plein d'artistes, de jeunes artistes. Il y a Penzi, il y a Dabara. Et puis, beaucoup de surprises. Mesdames et messieurs, nous vous laissons avec Mam Sidibé et ses musiciens. Aonizu Moko onizu chena fa onikli Asige chena fa ba yawa Gananya chena fa nye abido du kuti koro ayo hakli sigide mungara ama fa yanga ka jamana tigide aonya aonye evening la umuko folaka ra chena fa odi flana ngera miyanga we sabana buni ngao okuma anya damine herela alaka unje herela parenya dira gana duguma ajaranya abenama ya rabbi alaka jamana tanye alaka jamana nya majo kelebi yoro yoro la ninte ambe baraka ta jamana tiki ka merci ko gana ko kani che kani baraji ko ngala njo nyonye I will you to know what to do. Ernest Mama, can I do who come now? Can I do who come now? Ernest Borajana, can I do who come now? For a day, Mama, do quite a day.
Jalo Majalo Mare, Khalifa Jalo Mare, Ernest Barala, Catherine Furuke, Ernest Barala, Malamini Kone. Balo Ernesti, ni e Mayosa, Mayo Ernesti, ni e Telefonsa, Telefon Ernesti, Ernesti Barala, Bala Mini Kone, Ernesti Barala, Bala Mini Kone, Bala Mini Kone, Gana Dugu Kauko, Kokifo, Gana Dugu Kauko, Kokifo, Gama Liger, Kokifo, Mali Maroku, Kokifo, Burkina Côte d'Ivoire, Kokifo, Farafina Bé, Kokifo, Waini Bara. Thank you.
barka da salio Patlano mama wara usangura salio Kona kama flajo ma Masema flaluyo Biru kon flaluye Wasalo flaluyo Kana du ku flaluyo Ebe flaluyo Canada, what do you want to carry down? I'm going to go to the light. I'm going to come back on them. I'm going to go to my own. I'm going to go to Asa. It's a whole lot. Jeneva fuck me, but my girl fuck me, yo. Hey, flalu, say somebody. Walai fulbe, min joti on mi onjile jaraza. Kona la fulbe, ayi la fulbe, masen la fulbe. Walai fulbe, min joti on mi onjile jaraza. Merci Mamou Sidibé. Mamou Sidibé qu'on applaudit encore une fois de plus, mesdames et messieurs. Aïché, très beau spectacle offert par le parrain, la nuit du parrain, qui donne donc le coup d'envoi de la Biennale artistique et culturelle 2010, la Biennale du cinquantenaire. C'est exactement ce que j'allais te dire. J'allais te dire que j'ai l'impression que l'ambiance de la Biennale s'est déjà installée ici. Il y a vraiment une ambiance de joie et j'ai l'impression que la soirée se passe bien. Ou je me trompe? La soirée se passe bien, non? Parfait. On continue à Amadou en musique. Nous repartons en musique. Nous restons dans la région. Je ne sais pas trop si moi, je peux présenter cette dame.
Nous sommes à la Biennale artistique et culturelle 2010. Elle a été révélée par la Biennale. Et aujourd'hui, c'est une référence au Mali, mais également dans toute la sous-région. Elle est de Bougouni, Aïché. Et elle s'appelle Nawa. Nawa Doumbia de Bougouni, qu'on va accueillir tout à l'heure en direct du stade Babemba Traoré. Alors, sur les antennes de l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Mali, depuis 50 ans. Nous célébrons le Mali. Nous célébrons la culture. En tout cas, merci à tous les officiels, tous les membres du gouvernement ici présents. Et malgré vos engagements, vous êtes là. On sait que demain, la journée va être très chargée. Mais ça vaut la peine d'être ici. Parce qu'on a ici la crème des musiciens de notre pays. Oh, mesdames, ils ont tous répondu présents. On les a contactés il n'y a pas longtemps. Il y en a qui ont même reporté leur voyage pour être ici ce soir. La cause, elle est noble, puisque c'est une cause nationale. Et pour la première fois, comme on l'a dit, la Biennale a eu un parrain. Pour la première fois, à Sikasso, on a innové. Vous voyez, le stade, il est plein, plein à craquer. Vraiment, ça c'est un mérite pour la commission d'organisation. Okay, je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nous allons, avant l'arrivée de Nawa Doumbia, saluer, remercier et féliciter la commission d'organisation de la Biennale artistique et culturelle 2010, mais également le ministère de la Culture. Effectivement, Amadou, le ministre de la Culture qui est là depuis la semaine dernière, oui. On le disait tout à l'heure, lui et son staff n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de la Biennale. Tous les membres du gouvernement aussi sont là depuis. Ils ont vraiment à faire, on le sait bien, mais merci d'être parmi nous ce soir. Le thème remercie son partenaire naturel, je vais dire ainsi, la Sotelma, et qui fait que nous sommes suivis partout, je ne cesse de le répéter. Le thème également est au cœur de la fête, depuis cet après-midi, ce soir, demain. Et vous allez également vivre à la radio toutes les prestations des troupes depuis Sikasso, sur les antennes de la radio nationale du Mali. Alors, si les musiciens de Nawa sont prêts, nous allons leur céder le plateau. Nawa Doumbia. En tout cas, merci, merci à Sikasso, merci Sikasso, merci le parrain, merci vous qui êtes sortis massivement pour cette nuit. Et j'espère que demain également vous serez tous là pour l'ouverture officielle de la Biennale 2010. Monsieur Dagamaïsa vous l'a dit, tous les partenaires, tous les sponsors sans remercier. Merci beaucoup. Nous sommes en direct. C'est les aléas du direct, c'est pas souvent facile si les musiciens jouent en live. Dans quelques instants, tout sera fin prêt. Alors, peut-être qu'on va demander à Nawa un a cappella avant, un tout petit peu. Bien allé de la nuit, bien barossé.
Baroka jamma duguti boya dugutigima Baroka jamma konote boya sigirima Baroka jamma denjani danya dusukoloye Baroka jamma laga yini nata kurula mini ye Kurusi tiri bete ndana ndana de ni ma ko bile ndana de fie ni ma bo ko bile ndana de fie kurusi tiri fali ndana ndamandi ma ni ma ko ndana ndamandi Chuchu namanya jula kari Malami ko ne ko ne sangranga Malami ko ne fo ko ne sangranga Ndabe ngujela ndabila Ndabe torola ndabila Ndabe shambala ndabila Ndabe jalala ndabila Koche masuzu ni bache masana fari baga kono kwa Ko angambe kone masangaranka Iye Atene son joli kene la konya koji Money,
Anisu, eok ma kenedwa. Anisu, eneko maraka ukachawa, fla ukacha, ba manando. Hey, niye fla pesa na te menakilo pina nika, halala teple de. Ok masa, akoya ukoroi.
Merci. Merci, merci beaucoup. Merci aux musiciens de Nawa Doumbia, venu directement de Bougouni. Est-ce que ça va? Ça va? Oui, c'est votre biennale. En tout cas, les défis, le pari, c'est demain. J'espère que vous allez sortir encore nombreux à partir des 14h pour l'ouverture officielle de la biennale 2010. Haché. Nous le disions tout à l'heure, nous avons beaucoup de vedettes parmi nous, notamment Fantani Touré qui a organisé la fête du cinquantenaire à Paris avec succès. Veuillez applaudir pour elle, elle est là. Elle est venue spécialement de Paris pour la biennale. Oui, et elle prépare également le festival Voix des Femmes, prévu au mois de janvier. Et c'est en tout cas un festival 100% féminin. Toi qui aimes beaucoup la cause des femmes. Mais c'est bien d'en parler ce soir d'ailleurs, parce que ce soir, c'est vrai que nous célébrons la jeunesse, nous célébrons aussi la maman, la femme, la fille, la nièce, la sœur. Nous célébrons tout simplement la femme. Vous êtes ici, non? Les femmes, ça va? Alors Aïché, l'artiste, le jeune qu'on va recevoir, tu as participé à son départ, puisqu'à l'époque, tu étais sur une émission de télé-réalité. Cette émission l'a révélé. Mais il faut dire qu'il a du talent. Et dans la musique qu'il fait, si on fait un classement, je pense qu'il peut être premier de sa génération. Il mène l'ambiance. Un jeune homme très généreux. Il est là avec nous ce soir. Parfaitement, Amadou. On ne peut pas mieux commenter l'arrivée de ce jeune garçon. C'est qu'il a été le lauréat de la première émission de télé-réalité du Mali. Veuillez applaudir, mesdames et messieurs, Mamadou Dembélé dit Dabara. Du honneur pour accueillir Dabara, Mamadou Dembélé. Vous aurez du balafon de sang. Alors Dabara, tu vas Dabara. Nous faire un acapella d'abord, s'il te plaît, le temps que l'orchestre s'installe. Dabara ici sur ce plateau, la nuit du parrain. Dabara, coup d'envoi de la Biennale 2010, l'inauguration officielle, l'ouverture officielle, j'allais dire, donc c'est demain, à partir des 14h. Vous allez la vivre en direct sur la télévision nationale du Mali. Mais pour ceux qui sont de Sikasso...